Elle s'appelle Francine Muyumba. C'est elle qui vient d'être élue présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Félicitée par le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, en présence de l'ambassadeur de la RDC en République sud-africaine, elle est la première femme d'un pays francophone à postuler à ce poste et devient ainsi la première à prendre la tête de cette organisation. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier la République démocratique du Congo, particulièrement les présidents de la République et le gouvernement pour avoir accepté de me proposer à ce poste. C'est une victoire de la jeunesse africaine, c'est une victoire de la jeunesse congolaise et bien sûr, le travail commence. Sa candidature est le fruit d'un travail de plusieurs années dû à son expérience internationale dans la gestion des mouvements associatifs des jeunes, candidature soutenue par le gouvernement de la République. Maintenant que le Congo est en train de renaître, que le président de la République est en train, n'est-ce pas, de booster la révolution de la modernité pour reconstruire le Congo, la jeunesse devait être à l'honneur. Et l'Afrique a compris ce message. En entendant la présentation de sa feuille de route, Francine Muyumba a tenu à rassurer ses camarades de toujours œuvrer pour un bon fonctionnement de leur association. Déclaration faite lors de ce dîner de gala. Deux jours, c'est le temps qu'a pris ce forum, dont les travaux ont été lancés par le président sud-africain en personne.